everybody does a little dance with the devil. And everybody's got a little hole in the middle. Everybody does a little dance with the devil. Avant de me mettre à la natation, j'avais l'habitude de courir. 5 km, 10 km, rien n'y faisait. Peu importe ma vitesse, peu importe que j'arrive en première place. C'était comme si j'essayais d'échapper à mon ombre. Mais ce n'est plus mon ombre. Et il a commencé sa course bien avant moi. Éteignez le moteur, j'ai dit. Oh, ça c'est une sortie explosive. Oh non! On est vivant, c'est déjà pas mal. Tu réalises qu'on est foutu, hein? On peut quand même aller à la cabane. Quoi? En tapis volant? On a la moitié de l'État au cul. Et si quelqu'un est au courant pour la cabane? Le temps que les flics réalisent qu'ils font fausse route, ils seront quasiment à Devil's Gulch. La cabane est isolée. Bear n'en a jamais parlé à personne. On peut pas en être sûr. C'est trop risqué. Bon, il faut bien qu'on aille quelque part, nom d'un chien! M'en a raison. La cabane, c'est le plus sûr pour l'instant. On t'a rien demandé, toi. Hé, hey, arrête de lui parler comme ça. Je veux mon papa. Cambrioler le shérif, fuir au Mexique, t'as déconné, M'en. Plus on essaie de s'en sortir, plus on s'enfonce. On a laissé Dale, il est resté là-bas. On l'a abandonné. Est-ce qu'on peut parler en privé? Surveille la gamine. Je sais que rien ne s'est déroulé comme on l'avait prévu. Et ce qui est arrivé à votre frère, je le regretterai jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu fais? Je veux pas rester là. Mais dans l'immédiat, laisse-moi partir. On doit mettre toutes les chances de notre côté pour sortir de ce bourbier, d'accord? Qu'est-ce qu'ils vont faire de lui, maman? Où est-ce qu'ils vont le... Arrête. Ça sert à rien de se triturer les méninges comme ça. C'est pas ce que Dale aurait voulu. Il voudrait qu'on reprenne la route et bon, qu'on parte le plus loin possible. À mon signal, tu on cours aussi vite que tu peux. Et garde bien le soleil dans ton dos. D'accord? Ça veut dire que je peux partir? Allez, cours! Merci. Allez, on y va. Espèce de... Laisse-la! Si elle crie, ça va être pire. Jay! Qu'est-ce que t'as fait? C'est qu'une gamine! Et à ton avis, il va nous arriver quoi si la gamine crève dans les bois? Tyler, hein? C'est trop tard maintenant. Il faut qu'on y aille. On va à la cabane. On fera attention. Il faut se mettre en route avant que l'hélico revienne.
Tu as laissé partir notre seule monnaie d'échange. Les gens, c'est pas de la monnaie. T'es sûr que pas à parler de la cabane à personne? C'est à peine s'il m'en a parlé à moi. C'est vrai qu'on a la moto et les provisions là-bas. Tu vois que tu peux être optimiste quand tu... Je peux pas le faire sortir! Allez, il va y rester! Hé! T'as entendu? Oh merde! Ils nous ont trouvés! Policiers! En bas, vite, vite! Quelqu'un partir en courant. Le tourne mal, y a rien à faire à part l'achever. Je l'avais dit qu'il fallait pas l'emmener. Hé, si on allait à la cabane pour se défoncer? Où est-ce qu'elle est? Pourquoi je la retrouve pas? La cabane... Je crois qu'il faut que je boive. Quelque part au bout du monde se cache la légendaire forteresse de la Coulitude, et tous ceux qui sont partis à sa recherche ont péri. Tous, sauf un jeune aventurier intrépide. Son nom, Ashualema, connu pour son courage, son sens de l'honneur et... son talent pour résoudre tous les problèmes. Et voici l'histoire de sa quête épique. Ta-la-la!
Regarde, Shima, j'ai dessiné une BD sur la forteresse. Tu sais, celle que Ryan a vue l'autre jour, dans la forêt. Y a pas de forteresse dans l'Arizona. C'est des histoires. Si, je te promets. Il se promenait avec son père. Près de la crête, il y a un rocher en forme de dent de requin. C'est là qu'ils l'ont vu. Mm-hmm. Je me disais, ce serait trop bien qu'on essaie de la trouver, nous aussi. On pourrait dormir à la Belle Étoile et faire plein de trucs super. Par exemple... On pourrait passer la nuit dehors et regarder les étoiles filantes. Rien que toi et moi. Et puis, si tu veux prendre l'air, va donc faire un tour en vélo, tiens. T'en profiteras pour aller chercher le courrier, tant qu'à faire. Et ce week-end, c'est pas possible, parce que j'ai... Parce que t'es occupée, comme d'habitude. Je suis sûre que mon père aurait Ton père s'est révélé très différent de ce que je pensais. D'accord. Comme tu voudras. M'en fiche. Hé, petit gars, sois prudent sur la route. Il va bientôt faire nuit, et t'es pas éclairé. Va chercher le courrier, Ash. Et puis zut. Pilotage. Ma quête continue, mais à pied cette fois. Ah, maman, si t'avais bien voulu venir, on l'aurait peut-être déjà trouvé si c'était... d'avoir quelque chose à manger. Viens voir, Ash. Je peux attendre. Pas de problème. J'ai pas faim. Y'a quelqu'un ? Thank you.
de la crête et d'un rocher en forme de dent de requin. J'y crois pas! Je pourrais manger mon propre bras. Oh, punaise. Armoire à pharmacie. Allez vite. Ah. Ah. Planqué là-dedans, je te jure que je vais. Merde! Merde, merde, merde! Agent Bradley? Dites-moi tout. Malheureusement, on les a perdus dans les bois. Envoyez des équipes à leur recherche. Et prévenez les radios locales. Je veux que tout le pays entende parler des Holt. C'est compris? Bien reçu. Vous avez eu de la chance. Un peu plus haut, et l'artère était touchée. Zoé va bien, c'est l'essentiel. Dites, les Holt, vous allez les coffrer? Une chance sur deux, je dirais. Les prochaines 24 heures vont être cruciales. On va voir s'ils sont si malins que ça. Mieux vaut pas sortir. Thank you.
C'est la maison du bûcheron. C'était à ma mère, tout ça. La fais pas tomber. C'est toi qui m'as trouvé ? T'avais l'air mal en point. T'arrêtais pas de marmonner des trucs à propos d'une cabane. Tu t'es perdu ? Non. Je me suis fait renverser par une voiture. Où ça ? Dans la forêt ? Sur la grande route. J'ai dû me cogner la tête et perdre mon chemin. Oh ! Eh ben... Je devrais peut-être appeler les secours. Je t'emmènerai bien à l'hôpital, mais j'ai pas le droit de prendre la voiture. Non. Ma famille pourra pas payer les frais médicaux. Vous avez bien une assurance ? Bah, oui, mais... Enfin, tu sais comment c'est. Ils nous font toujours payer plus que ce qu'on peut se permettre. Eh ben, ravi de voir que t'es vivant, en tout cas. J'ai eu un doute à un moment. Ça va ? T'étais au lycée de Touroc, non ? Ah, oui, le lycée. J'y suis allé pendant un temps. Ah, c'est bien ce que je pensais. Tu mangeais souvent tout seul, sous l'arbre à côté du parking, je me trompe ? Le genévrier. Ouais, c'était moi. Rappelle-moi ton nom, déjà. Dean. Enchantée. Moi, c'est Vanessa. Dis, est-ce que je peux me reposer un moment ? J'ai mal à la tête et... Je dérangerai pas, c'est promis. Ça me gêne pas que tu restes. Mais il faut vraiment que tu sois partie d'ici 8 heures, sinon mon père va nous tuer. Et juste au cas où, sache que j'ai déjà tapé un garçon tellement fort là où je pense qu'il en a avalé sa langue. Bah, c'est bon à savoir. Tiens, c'est vieux mais tout est propre. Merci. Alors, pourquoi t'as lâché le lycée ? Toi aussi, t'en avais marre d'être tout le temps collé par Madame Campbell ? Non, j'ai fini par décrocher. Ben, on est deux, alors. Enfin, moi, on m'a désinscrite pour que j'aille dans une école catho bidon où on me dit comment m'habiller, quoi penser... Bref. C'est quoi ton excuse à toi ? Après mes 16 ans, j'étais plus obligé d'y aller, alors. Mais t'as pas envie d'apprendre des choses ? Si, mais... L'école de la vie, ça me suffit. Ah, c'est mieux comme ça. Fifi ! Il est où, mon sandwich ? J'arrive ! C'est qui ? Oh, c'est ma mamie. T'as faim ? Tu vas bien te tenir aujourd'hui, hein, mamie ? Attends deux secondes, j'ai oublié mes clopes. T'as arrêté il y a des années. Ah bon ? Ouais. Nous avons de nouvelles informations sur l'affaire que la police surnomme désormais le massacre du désordre. Un des tueurs a trouvé la mort sur place, mais on nous confirme que trois suspects sont encore en fuite pour l'heure. Jambon fromage, ça te va ? Ah, mais pas les tranches toutes faites, ça a pas de goût. L'assaillant abattu a été identifié, Dale Holt, résident de Touroc, déjà condamné pour agression. Les autres suspects pourraient d'ailleurs appartenir à la même famille. Mamie, on a un invité. Bonjour. Attends, je la connais cette voix. Oh, Seigneur, tu es revenu. Est-ce que c'est vraiment toi, Mati ? Désolé, on ne se connaît pas. Je m'appelle Dean. Oh. Mati est mort, hein ? Oui, mamie. C'est fou, tout ce qu'on peut oublier. Attends, laisse-moi t'aider. Alors, Dean, qu'est-ce que t'as fait de beau depuis que t'as arrêté l'école ?
Je juge pas, je suis jalouse. J'ai pas mal été dehors, surtout. J'ai randonné dans les collines, j'ai fait de la pêche en rivière. Je suis allé chasser aussi, un peu. T'as tué des animaux ? Tu sais d'où il vient, ton jambon. C'est du pastrami. Mais ok, t'as gagné. Je vais te dire un truc. Matthew faisait de meilleurs sandwichs que lui. C'est moi qui ai fait le tien. Mais ben, ça a un goût de carton, voilà. Tu veux pas de condiments, aussi ? Je vais plutôt aller écouter Arabesque, tiens. Ravie de t'avoir rencontré, Dave. Je l'adorais avant. Elle avait le permis moto, elle faisait du karaté. Maintenant, soit elle trouve plus son pantalon, soit elle oublie comment ça se met. Matthew, est-ce que... C'était mon frère. Il a eu un accident de voiture. C'est horrible. Désolé. Le temps a adouci les choses. Mais mamie, elle oublie, des fois. Moi aussi, j'ai perdu mon frère. C'était il y a pas longtemps. Comment ? Il s'est fait tirer dessus. Merde ! C'est horrible. Je sais. Dis, ça te dérange si je révise un peu ? J'ai des examens la semaine prochaine et j'ai pas ouvert un bouquin de tout le semestre. Je peux faire la vaisselle ? Je t'en prie. Tu sais, t'as bien fait d'arrêter les cours. Ça sert à quoi de pouvoir citer trois façons dont Andrew Jackson a changé le rôle du président des États-Unis ? Je sais pas trop. Si c'est dans l'examen, je passerai la question. Et donc, vous étiez proches ? Hein ? Toi et ton frère ? Un jour, il m'a tiré dessus 6 fois avec un pistolet d'airsoft. Mais il me protégeait quand pas avait trop bu. Alors, j'imagine que ça dépendait un peu des jours. Ton père, il est alcoolique, c'est ça ? Il l'était, oui. Maintenant, il s'accroche à la vie dans un hôpital pour anciens combattants. Eh ben, t'es aussi gâté que moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est pendu. Enfin, il a essayé. Je l'ai arrêté. Oh, c'est horrible. Je sais bien que c'est horrible, mais... Des fois, j'aimerais bien que mon père... meure, ou quelque chose du genre. Arrête, tu le penses pas vraiment. Tu comprendrais si tu le connaissais. C'est un psychopathe. T'as jamais eu envie de partir ? De tout envoyer balader ? Où est-ce que j'irai ? Je sais pas. Ailleurs, c'est tout. J'ai nulle part où aller. Enfin bref. Désolée, c'est pas très joyeux. Hé ? Tu veux pas m'aider à réviser ? Oh, je sais pas si je serais d'une grande aide. Mais si, t'inquiète. Ça marche toujours mieux quand on est plusieurs. Bon, ok. Le Minnesota ? Non. Le Wyoming ? Non plus. Oh, je laisse tomber. C'était l'Alaska. Plus 1 million d'hectares de parcs, tous protégés. Le seul endroit où il y en a plus, c'est le Canada. Fais-moi voir. Ok, à ton tour. Hein ? Non, j'ai quel pas... président a signé la loi de 1906 sur le patrimoine naturel, créé le Service national des forêts et établi 5 parcs nationaux, dont celui du Grand Canyon ? Attends, je crois que j'ai vu ça à la télé. Thomas Jefferson ? Non, t'es remonté 100 ans trop tôt.
La bonne réponse est... Teddy Roosevelt. Oh. Et c'est officiel, je vais me planter. Et alors ? Pas besoin d'examen pour savoir que t'es intelligente et... Enfin bref, tu vois. Waouh ! C'est super gentil. Merde, il est rentré plus tôt. Dis que t'es un ami du lycée. Attends, non, un camarade de classe. On a un devoir à faire pour... Coucou ! Je t'attendais pas si tôt. J'ai pas vu de voiture dehors. Qui c'est ? C'est Dean, du lycée. Bonjour, Dean du lycée. Bonjour, monsieur. Bon, ravi de voir que tu révises. Mais, Dean, rappelle-moi, tu es dans quelle école déjà ? Hein ? Bridgeway. J'imagine que tu voulais dire Bridgeley, n'est-ce pas ? Oui, voilà, c'est ça. Dean est nouveau à l'école. C'est pour ça qu'ils nous ont mis dans le même groupe pour les devoirs. C'est toi qui lui vends de la marijuana ? Quoi ? Je t'ai dit, j'ai arrêté de fumer. C'est à lui que je parle. Faut que j'y aille. T'en vas pas si vite. J'ai encore le droit de connaître les fréquentations de ma fille. Vous êtes flic ? J'ai une agence de sécurité. Sa société protège des banques. Dans une ville où le dernier braquage doit remonter à un siècle. Ça suffit, Vanessa. Enfin, ça risque de changer. Tu as entendu parler du massacre dans le motel sur la route 66 ? Ah, oui, ils l'ont dit à la radio tout à l'heure. Eh ben, j'espère qu'ils vont les arrêter. Moi aussi. Ils ont lancé une chasse à l'homme. Dès que le FBI aura rendu public les portraits robots de ces Holt, ils seront placardés dans tout le pays. Jason ! Jason, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Toi, tu restes là. Je suis vraiment désolée. Il faut vraiment que j'y aille. Non, ça va être encore pire. Vanessa, il est où le livre audio de mamie ? Attends, elle a dû l'oublier aux toilettes. Papa, t'as regardé dans son tiroir à sous-vêtements ? Mais pourquoi est-ce qu'elle rangerait ça là ? Bah, demande-lui ! Hé... Hey. Faut vraiment que j'y aille, là. J'ai pas envie que ton père me pose trop de questions. Merci de m'avoir dit au revoir, alors. Tu m'as sauvé la vie. Je sais pas comment te remercier. Tu pourrais m'aider à réviser un de ces quatre, autour d'un café. J'ai toujours eu envie de goûter un bon café. Attends, je vais te donner mon numéro. Tu peux m'appeler pendant la semaine. Il passe sa vie au travail. Je croyais t'avoir dit de ne pas bouger. Il faut vraiment que je rentre chez moi. Bon, je peux pas te retenir de toute façon. Merci, monsieur. Ma mère va être... Un instant. C'est les affaires de mon fils. Je peux vous expliquer. Tu es privé de sortie. Hein ? Mais pourquoi ? Parce que tu traînes avec des délinquants. Voilà pourquoi. Thank you.
Lève-toi donc et viens mettre ces écureuils dans le cellier. Jay ? Bah, je vais le faire moi-même. Bon, ah, petit salopard. Ah, ah, viens là. Qu'est-ce que tu fais là ? Hein ? Dis-moi. Je me suis blessé. Où ça ? Ah, t'as l'air d'en avoir bavé, dis. Oh. Comment t'as fait pour trouver ma cabane ? Hein ? Qui c'est qui t'en a parlé ? Personne m'en a parlé, je vous jure. Tu m'as l'air un peu jeune pour être de mèche avec ces trouducs. N'empêche que mon petit doigt me dit que tu me caches quelque chose. Je vous cache rien du tout. Rien du tout. Je le jure. Personne m'a jamais parlé de cet endroit. Tant mieux, parce qu'il n'existe pas. À mon avis, il n'y a qu'une seule raison qui explique pourquoi tu es là. T'es venu me voler. C'est pas un vieux comme vous qui va me faire peur. Quoi ? Vous m'avez très bien compris. Oh, ça oui, j'ai bien entendu. T'as du cran, petit. Faut le reconnaître. D'où tu viens, bonhomme ? Eh ben, en fait, ma mère est moitié dinée et moitié maori. Je te demande où t'habites, Andouille. Bref, peu importe. Et ta mère, alors ? Elle est au courant que t'es là, petit voleur ? Non. Je suis partie sans rien lui dire. De toute façon, elle s'en fiche de ce que je fais. Et je suis pas un voleur. Une fois, j'ai chopé un gamin en train de voler dans mon portefeuille. Je lui ai mis mon couteau sous la gorge. C'était le même que celui-là. Faites pas ça ! Pourquoi ? Qu'est-ce que tu crois que je lui ai fait ? Je suis sûr que vous inventez des histoires pour me faire peur. Hé, hey, t'avises pas de me traiter de menteur, espèce de petit con. Je lui ai dit que je le lâcherais après lui avoir coupé un petit bout. Mais comme je suis pas un monstre, j'ai été sympa. Je lui ai laissé le choix. Un doigt ou une oreille. Maintenant, c'est ton tour. Alors choisis. Est-ce que ça va faire mal ? Une oreille, hein ? Lui, il a choisi un doigt. Et là, je vois qu'il commence à pleurnicher. Alors moi, je lui dis qu'il n'y a pas pire honte que de voler son propre père. Et qu'en tant que fils aîné, il est grand temps qu'il apprenne le respect. Ça a peut-être l'air cruel, je sais. Mais c'est comme ça que mon père m'a élevé. Et après ça, je lui ai dit qu'il me remercierait plus tard. Jamais il m'a remercié, tu parles. Au lieu de ça, il s'est mis à réclamer sa mère. Alors je l'ai laissé filer. Pa ? Hé, Pa ! T'es là ? Écoute-moi, petit salopio. Tu sais ce qui t'arrivera si je te revois ici. Alors rentre chez ta mère et t'avise pas de revenir. Tire-toi, microbe ! Plus vite ! Avant que je change d'avis ! Pa, c'était quoi ce coup de feu ? Est-ce que... Oui ! Une route ! Thank you.
Oh. Un séjour aventure. Excellent séjour à vous et votre fils, Madame Walema. Il va avoir une sacrée surprise. C'est aujourd'hui. Oh, maman. Allez. Allez, ça va le faire. Envoyer la moitié de mes agents à ta recherche. Dis à maman que... Je suis désolée. T'en fais pas pour ça. Tu pourras lui dire toi-même. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé, petit gars? Je cherchais la forteresse. Ash, de quoi tu parles au juste? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je l'ai pas trouvé. Je suis tombée net, puis je me suis perdue, c'est tout. Ash. 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 Doucement, doucement. Je vais t'emmener à l'hôpital. Ça va aller, d'accord? Un miracle qu'on arrive à passer l'autoroute, alors la frontière, ils vont tout surveiller. T'as une meilleure idée? Moi, je sèche. Jay! Oh, oh, Seigneur! Je croyais que je t'avais perdu. Vous avez vu des gens nous chercher? Pas depuis qu'on s'est enfui. On est en sécurité, Poussin. Je sais pas. Ils parlent de nous à la radio, maman. Qu'est-ce qui t'a pris de débarquer comme ça? T'as pas été suivi, j'espère. Hein? Je sais comment camoufler mes traces. Vous avez un plan? J'ai un début de plan. Dante a noté un numéro de compte dans son petit carnet. Si c'est bien ce que je crois... On verra ça plus tard. D'abord, il faut qu'on arrive au Canada. Au Canada? Les flics vont surveiller la frontière sud. Donc on part au nord. Mais t'aimes pas le froid? T'en fais pas, Jay. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Pas vrai? Je suis là pour toi aussi. T'es mon frère. Bien. Je vais monter la garde. Allez vous reposer. On a une longue journée qui nous attend. Je pensais que t'allais dormir plus longtemps. Je préparais la moto. Tu peux m'expliquer cette histoire de Canada? Oublie le Canada. C'est au Texas qu'on va. Hein? Je connais un type à Eagle Pass. Il nous fera traverser le Rio Grande. Mais pourquoi t'as parlé du Nord à Jay alors? Parce qu'il vient pas avec nous. Demain matin, je l'envoie à Canab. Je lui dis que c'est notre éclaireur. Tant qu'ils reviennent,
on sera déjà loin. T'es gonflé. Je vais quand même pas lui faire ça. On a déjà perdu Dale, ça t'a pas suffi? Hé, hey, tu crois que ça me fait plaisir tout ça, peut-être? Tu crois que ça m'amuse? Ah, on sait tous les deux que t'as toujours eu du mal avec Jay. Et pourtant, j'ai quand même veillé sur lui, non? J'ai toujours tout fait pour cette famille. Je me tue au travail depuis que j'ai 14 ans. Je te protège de pas, depuis que je suis assez grand pour rendre les coups. Et dans tout ça, moi, j'ai jamais eu de vie. J'étais trop occupé à me démener pour vous tous. Ça fait 25 ans que ça dure. Que je dois tout encaisser sans broncher, sans jamais rien dire. Parce que je suis l'aîné, le fils responsable. J'en ai ma claque, moi. Je veux pas couler avec le navire, moi. Il y a deux places sur la moto, pas trois. Alors cette fois, tant pis pour Jay. Tu fais quoi? Je m'en vais. Oh, ça suffit. Vous avez qu'à partir, et moi je reste ici. Tu pourras jamais survivre toute seule dans les bois. Mais Jesse, il est dans son élément ici. Je m'en fiche. Je suis prête à mourir s'il le faut. Pas question. On va tous s'en sortir. Parce que Jay va faire le bon choix et rester là. J'ai pas envie de rester avec toi de toute façon. T'allais abandonner ton propre frère. Et moi, j'en ai marre que tu passes ton temps à faire comme si t'avais envie d'être ailleurs. Ça serait peut-être différent si t'étais plus sympa. Oh, arrête! T'es comme ça depuis qu'on t'a recueilli. Quoi? Je vais te dire, ta vraie mère, elle aurait vraiment mieux fait Tyler de... Ça suffit. Ça veut dire quoi, ça? Ma vraie mère? Ment. De quoi il parle? Ah, tu es de mon sang. Et je t'ai élevé comme mon fils. Ça fait de moi ta mère. Le reste n'a aucune importance. C'est important pour moi. C'est qui ma vraie mère? Ma petite sœur. Brooke. Elle est morte en couche. T'avais une sœur? Et mon père? T'en as pas. Je m'en vais. Prie pour que je me fasse pas choper. Jay, s'il te plaît, on peut discuter. Tyler, qu'est-ce que tu fais? Il est au courant, il connaît tout le plan. Jay! Jay! N'avise pas de le toucher! Jay! Reviens tout de suite! Écoute, je retiens ce que j'ai dit, d'accord? Bien sûr que je suis ton frère. J'ai changé tes couches. Je sais que t'as essayé d'apprivoiser un écureuil, une fois. Et que t'as horreur des patates au four de maman. Je veux pas te faire de mal, Jay. Je veux juste être sûr que tu vas pas nous balancer, tu vois? Me cherche pas, Tyler! T'es plus mon frère, de toute façon! Oh, arrête un peu! T'exagères, là! Je suis prêt à tirer s'il le faut! J'ai pas envie, mais si tu me laisses pas... Oh.
Descends de là, Jay. Je te jure que sinon... Aussi vite. Je regarde pas en bas. Écoute, Jay. La journée a été longue. J'aurais pas dû. T'as pas besoin de le dire. Je sais ce que j'ai à faire. Où est-ce que tu vas aller? Vers le nord, peut-être. Les flics s'y attendront pas, comme tu disais. Bonne chance, alors. Et oublie pas, si c'est eux ou toi, sauve ta peau.